l'agence de Marguerite Bailly. Oui. Vous venez chaque 27 du mois? Pas chaque 27 du mois, mais ça fait déjà 3-4 fois qu'on vient depuis le printemps. Et vous venez d'où? De Lausanne. Qu'est-ce que vous venez chercher dans ce lieu? De se mettre en connexion avec Sainte Marguerite Bailly. Voilà. Le fait qu'elle guérit, cette croyance dans la guérison qu'elle peut apporter. Okay. Voilà. Vous espérez qu'elle va intercéder pour quelqu'un de votre entourage? Oui, exactement. On peut savoir qui est cette personne? Une amie. Okay. Voilà. Puis pour moi-même. Merci. Voilà. Bonjour. Bonjour. Vous êtes des pèlerins? Oui, on est des pèlerins. Le 27, à tous les 27 du mois, le pèlerinage pour l'anniversaire de décès de Marguerite. Et vous venez d'où? Nous, on vient de Wisternans. C'est loin d'ici? 5 km. Et vous venez à pied? Non, on vient en voiture. On vient en voiture. On vient régulièrement. Parce qu'on a confiance en Marguerite Bailly. C'est notre sainte à nous, ça, hein, de la région. Elle est simple, comme nous, en somme. Hein. Puis on a une grande confiance depuis toujours, depuis enfant, quoi. On l'a pris tout le temps. Pour les malades, pour nos familles, pour nos enfants. Elle nous accompagne, hein, on sent ça. Et puis, c'est le rassemblement. Ici, c'est clair qu'on peut prier à la maison, mais ici, on est la communauté. Hein. C'est beaucoup plus fort. C'est beaucoup plus fort quand on est ensemble. Oui. Donc ici, on est devant l'église de Civirier. Voilà, oui, oui. Là, on voit les pèlerins qui affluent de différents endroits. Et puis, à notre droite, c'est la tombe de Marguerite Bailly. Voilà, oui. Et qu'est-ce que vous venez chercher ici, dans cette église? Lui dire merci, hein, pour la joie qu'elle garde dans notre famille. C'est fantastique, hein. Est-ce qu'on n'entrerait pas dans l'église? Je ne sais pas si on peut parler dans l'église. À voix basse. Maintenant, avec le confinement, on peut 150, mais je pense autrement 300-400, hein. Oui, bien plus. Comment vous décririez l'atmosphère de ce lieu ici? C'est très priant. Pour vous, c'est un lieu de mémoire, ici? Oui, bien sûr, ça c'est clair. Hein. Elle a vécu ici, elle venait à la messe ici. Elle a sanctifié en quelque sorte ce lieu, hein, par sa présence. Est-ce que vous sentez déjà la présence de Marguerite Bailly? Oui, c'est beaucoup dire, mais on sent quand même cette atmosphère-là, le silence. Maintenant, on est là avant tout avec le Christ, avec Jésus. Et puis bien sûr qu'elle est là aussi, présente. Parce qu'il y a ces reliques pas très loin d'ici. Ces reliques. Juste à droite ici, oui. Dans une petite chapelle à droite, oui. Récupérez mon cher Louis et canticum documento nova cela tritui ascendenti ad ultraque. Corpus et laudas.